Ce résumé vous est présenté par FedEx. Et takeaway.com. Sponsor de l'UEFA Champions League. C'est pas terminé avec maintenant un but. Le voilà, le premier but dans cette rencontre. Première occasion, premier but tout simplement. Victor Claesson pour permettre à Copenhague de passer devant. Et ça passe, hein. Ça passe. Pour Haraldsson, attention à ne pas commettre d'erreur, la plein axe avec cette tentative, Rasmus Falk. Dans cette rencontre où on assiste à un match plein, sauf qu'il manque un peu d'occasion et pourtant, regardez, on est tout proche du deuxième. Ça aurait été incroyable ça. Falk. Falk dans le grand rectangle avec la frappe maintenant du gauche qui est contrée. Bien. Et on n'ira pas plus loin. Le sifflet de Monsieur Oliver, donc 1-0. Ah, c'est parti pour cette phase arrêtée avec une déviation et un but. C'est 2-0. Le Rager, l'ancien Zultor Game qui permet à Copenhague de doubler la mise. Ah, cette tentative tout de même. On la note à la 51e, c'est peut-être un peu tard, mais Giannini, il ose ce que son compère Kouassi n'a jamais pu faire finalement. Voilà encore Giannini, sans complexe manifestement. Giannini encore, il y a du monde dans le grand rectangle. Le sort, la tête au-dessus. Oh, l'occasion, la plus grosse occasion pour Trabzonspor. Elle était belle. Bakasetas du gauche, ça passe au-dessus. Hein, ouais. Aucun problème. En tout cas, dans cette fin de match, ce sont les Turcs hein, qui font circuler pour l'instant sans véritable réussite. Mais regardez le monde qu'il y a dans le grand rectangle. Et malheureusement, pour les joueurs d'Afchi, il y a toujours un petit problème qui fait en sorte que le but ne tombe pas. Un souci dans le dernier geste. Ou dans l'avant-dernier geste. Allez, ce corner est botté en première zone. La reprise. Oh, l'arrêt de Mathieu Ryan. Peut-être pas terminé. C'était Giannini. Hein. Carrière par hasard, ça c'est certain. Tentative lointaine. Elle est déviée. C'est but. Et c'est but. Ah, comme quoi. Il faut jamais douter, il a tenté Bakasetas, le 2-1. Et on a envie de dire que c'est mérité parce que ça fait maintenant un bon bout de temps que cette équipe de Trabzonspor tentait. Pour l'instant, ça ne fonctionnait pas, en tout cas jusqu'à maintenant. Et là, ça fonctionne, ça passe. Ballon contré, le 2-1. Ce
ce ballon qui est dévié. La touche maintenant pour Sigurd Larsen. Elle est longue, très longue maintenant aussi. Il y a du Giannini, il y a cette frappe qui part et c'est terminé. Victoire pour Copenhague, 2-1 grâce notamment à cet homme, Claesson. Mais la manche retour s'annonce palpitante. Ça sera à suivre évidemment en direct la semaine prochaine, mercredi. Ce résumé vous a été présenté par FedEx. Et takeaway.com. Sponsor de l'UEFA Champions League.